C'est à moi oui. C'est à moi Eh, hey, coucou, c'est à moi Oui, <laughs> c'est à moi. Hop Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Hello Salut José Salut, merci Plein de santé, plein d'amour pour vous aussi, pour ces fêtes. Salut Cécile Bon, ça y est, c'est... S'il ne me reste que une tasse de ton délicieux thé au chocolat et à l'amande, Cécile, il faut juste que tu me donnes la marque parce que il faut que je fasse un refill. Ça va devenir urgent. Tu m'as rendu addict. Ok, salut Carole, salut Véronique. Alors. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Alors, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on va finir le, le petit corps de la souris. Donc, on va faire ce qu'on appelle un Kitchener Stitch, donc une couture bien, bien particulière, très chouette, vous allez voir. On va voir aussi comment on va faire la petite tête de la souris. Voilà, là, ça ressemble pas à grand-chose, mais on va voir comment on va faire la petite tête de la souris et comment on va aussi lui faire les petites oreilles. Et là, ça commence à ressembler, hein, les petites oreilles de la souris. Voilà. Bon, alors. Je vous, ai la... je vous ai laissé la dernière fois. Est-ce qu'on a des photos Est-ce que tout le monde oui. m'a fait Oh Alors, avant ça, je vais regarder qu'est-ce que vous avez fait, voir si vous méritez que j'aille plus loin. <laughs> oui, on va jouer au père, tu Est-ce que je vous donne du charbon ou des bonbons dans vos bas de Noël Regarde. Oh, Anne Eh, hey, c'est parfait Bravo Ok, bravo, Anne Pareil, Carole Oh, chouette J'adore, je vois les couleurs. Oh, c'est adorable C'est super, Diane Magnifique Ok. Oh, super. Ok. Donc, vous méritez. Ça va. <laughs> euh, Diane, pour les bras, on les verra la semaine d'après, d'accord Cocotte, coucou du nord de la France. Où ça, le nord de la France, cocotte Ok. Hop, c'est parti. Oups, c'est parti. Ah, oui, je vais parler de mes projets. Merci, Ben. Ouf. Hey, ouais, ouais. Euh, alors, mes projets, les projets de la Maison Tricotée, pas que mes projets. Donc, on a plusieurs choses qui s'en viennent. Alors, première chose, euh, comme je vous avais parlé, on va lancer du 26 décembre au 3 janvier le Tricoté Coeur, le Coeur au chaud euh, par la Maison Tricotée. Donc, on sera avec vous du 26 décembre jusqu'au... 3 janvier ça sera tous les jours à midi et je vais vous montrer comment tricoter des accessoires comme des tuques, des mitaines et des grosses chaussettes pour euh, alors soit vous les gardez pour vous, vous les offrez autour de vous, euh, si vous êtes sur la région du, de, du Montréal ou tout autour c'est une collaboration avec trois associations qui aident des familles en grande précarité ainsi que des itinérants donc si, si vous le voulez vous pouvez apporter ce que vous allez produire et les amener à la maison tricotée ça peut être devant la maison tricotée si la boutique est fermée c'est pas un problème et nous serons le maillon pour redonner tous vos dons à ces associations à des gens qui en ont extrêmement besoin j'insiste beaucoup sur le fait de ne pas travailler avec de l'acrylique puisque on a des Hiver québécois, n'est-ce pas Malgré le réchauffement climatique, il n'en reste pas moins qui fait très très froid. Et euh, la laine, c'est ce qui tient au chaud. Hein. L'acrylique, ça reste, ben, ça reste du plastique. Hein. Ça reste du caca de poisson fossilisé. Et euh, c'est un petit peu, ben, c'est un petit peu du ziploc. Ça tient pas très très chaud. Voilà. Donc, euh, donc, cela étant dit, ça va commencer dès le 26 décembre. Ça sera sur notre Facebook général. Ça sera aussi sur notre chaîne YouTube. Si vous voulez être prévenu, vous pouvez vous abonner. Il y a une cloche, c'est ça, Ben Il faut appuyer sur une cloche D'accord, bon. Moi la technologie. Elle est où, la cloche, sur l'écran Bon, il y a une cloche, apparemment. Ça va vous aider à être prévenu, voilà, quand on est là. Donc, ça, c'est ça. On a aussi la livraison pour 5 dollars le jour même avec notre super voiture de l'espace. Voilà. Donc, c'est tous les jours. Et puis, puis c'est tout. J'ai pas d'autres projets. Si j'ai un autre ah, projet, oui, ben. ben. j'ai un ben. nouveau projet. <laughs> ah, il oublie tout. Euh, donc, <laughs> donc, on a un autre projet. Je sais pas si vous étiez avec nous avec le communauté pour les bébés hier. Pour ceux qui ne savent pas, donc, nouveau projet, j'ai décidé de lancer un. Quatre éléphants qu'on va découper en petits morceaux pendant un an. Alors, c'est quoi les éléphants euh, Je vous propose de faire quatre pulls avec moi. Donc quatre pulls qu'on va diviser sur trois mois. Donc ça va être douze semaines de, euh, de capsules, tutos, euh, coucou de ma part pour lire le patron ensemble, comprendre les techniques. On va commencer par un pull simple. Sans doute un top-down, donc tricoté en rond et sans couture. Si vous n'avez jamais fait un pull, ça va être parfait pour vous. Donc, ça, ça sera le premier trimestre 2021. Le deuxième trimestre 2021, on va faire un pull avec de la dentelle. Le troisième trimestre, on va faire un pull avec de la torsade. Et le dernier trimestre, on fera un pull avec du jacquard. Voilà. Donc, ça sera un projet qui va être facile puisqu'on va vraiment le découper en petits morceaux. Hein? Oui, oui, ça je vais le dire. Euh, ouais, ouais. Le gratuit va venir après, mais c'est la. Mais attends, c'est la cerise sur le sundae. Et... Ne mets pas des cerises partout dans mon sundae. Attends qu'elle arrive sur le haut, Ben. Bon, oui, oui, ça va être gratuit, mais attends, c'était la surprise de la fin. C'était. Il a tout cassé. Oui, normalement il est en vacances. Hein. Voilà, Ouh. bref, j'observe qu'il n'y a personne de la CSSST qui m'écoute, euh, personne. Donc, euh, donc voilà, donc ça va être quatre pulls sur. Trois mois, donc c'est un bon temps pour vraiment euh, prendre son temps pour faire ce genre de projet. Vous avez le temps de faire vos devoirs chaque semaine. Euh, on va tout, euh, voilà, comme d'habitude, vous me connaissez, on va tout, euh, euh, tout, tout bien expliquer, que ce soit très technique, mais en même temps très simple. Voilà, donc quatre pulls à faire avec nous. Ça va être complètement gratuit. Euh, par contre, pour les pulls, je ne vous promets pas que ce sera des patrons gratuits, puisque je vais chercher les patrons que je trouve les plus intéressants, techniquement parlant, à, à faire. Donc, ce ne sera pas forcément du gratuit. Ils peuvent être en anglais, mais n'oubliez pas que je traduis tout. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous êtes un grand débutant et si vous voulez faire des pulls, ça va être euh, une communauté parfaite pour, euh, pour être là. Nous n'aurons pas de professeur tuteur puisque ça sera une communauté gratuite, mais euh, je vais vraiment essayer de bien encadrer tout ça et toute la communauté sera là aussi pour vous, pour répondre à des questions. Voilà Cool! Ok, allez, on va commencer maintenant. On a assez fait, la page de pub est terminée. J'ai dit que c'était gratuit. Belle! Ouais. Gratuit, gratuit, gratuit. C'est beau, check. Ok. Voilà, ok, donc on est parti. Notre petite souris, on a fait donc le corps. Avant de coudre ça, eh bien, il va falloir la rembourrer parce que si on ne la rembourre pas, eh bien, ça va être une souris. Voilà, pas ennuyante, hein, elle ne va pas être très plate, mais voilà, elle va rester <laughs> quand même très très... Euh, voilà. Donc on va lui donner un petit peu de corps. Comme je vous disais, moi la bourre que j'utilise, eh bien, c'est les restes de laine euh, de tous les petits projets. Puis, euh, oui, pour adultes, les pulls. Pour adultes, pour adultes. Donc c'est des restes de laine. Puis euh, s'ils sont un peu trop gros, vous voyez, je les découpe en petits, en petits morceaux. Donc voilà, je vais simplement... Euh, hop on rentre à l'intérieur et puis on commence à tasser. Donc on, normalement, vous voyez, c'est important de prendre des petits morceaux pour être sûr de bien pouvoir rembourrer votre, euh, votre souris le mieux possible. Voilà, donc on, on y va. Puis le fait que ce soit des petits morceaux, ça donne pas des bosses non plus. Donc c'est vraiment important, vous voyez, de voilà on va lui, on va essayer de lui faire un petit ventre j'aime bien les souris qui ont des petits ventres voilà ok voilà hop puis quand on sent que il faut pas que, il faut pas qu'on voit la bourre à travers euh, à travers la laine hein. là on dirait une espèce de on dirait une dinde de Noël avec les deux petits euh, donc voilà, ok. Donc là, on va dire que... Oh, ok, là, c'est plus la peine d'en rajouter. Je pense qu'elle est assez pleine, ma souris. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Voilà, donc vous avez vu, vous avez vu à quel point c'est cool, les petits bouts. C'est... Euh, voilà, comme ça, pas de gaspillage. Hop. Tout est réutilisé. Voilà. Ok, maintenant on va faire le Kitchener Stitch. Donc, Kitchener Stitch, pour ceux qui n'en ont encore jamais entendu parler, euh, on, attribue cette, on attribue cette technique au général Kitchener, un général anglais, je crois, euh, qui, euh, qui avait entendu ses soldats se plaindre que leurs chaussettes en laine les, euh, leur, leur abîmaient le bout des pieds à Cause de la couture, et donc il aurait inventé cette couture pour qu'il soit qu un peu comme sans couture qui n'est pas d'épaisseur. Voilà, euh, vous pouvez aller voir là. Cela c'est un général qui a une biographie d'ailleurs assez effrayante. C'était pas un personnage très jojo à part le fait qu'il ait trouvé cette couture là. Ok, on y va. Oups, voilà, ok, donc. J'ai placé les 24 mailles de ma petite aiguille, d'un petite souris. Voilà, j'ai placé les 24 mailles. Donc j'en ai placé euh, les 12. Attendez, je vois qu'elle est un petit peu disproportionné du bedon là c'est mieux voilà donc j'ai placé les 12 mailles du devant de ma souris sur une première aiguille double pointe et j'ai placé les 12 mailles du dos sur la seconde aiguille double pointe d'accord donc ça correspond aux deux premières petites pattes et aux deux dernières pattes donc on commence par un rang de mise en place dans le kitchener stitch donc j'ai coupé mon fil en lui laissant au moins euh, une bonne quarantaine de centimètres de fil. Et je vais commencer avec l'aiguille de devant. On va commencer d'abord par les étapes de mise en place. Donc, je vais passer à travers la première aiguille comme pour tricoter à l'envers. Donc, vous voyez, mon aiguille va vers le bas. Voilà. Voilà. Puis ensuite, je vais passer sur l'aiguille de derrière et je vais rentrer mon aiguille comme pour tricoter à l'endroit, donc du pas vers le haut. Voilà. Je vais revenir sur l'aiguille de devant et là, je vais commencer les étapes qui vont tout le temps se répéter. Donc, aiguille de devant, je prends la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et cette fois-ci, je vais la laisser tomber de mon aiguille. Puis, je vais prendre la seconde maille comme pour la tricoter mais à l'envers et elle, elle va rester sur mon aiguille. Je vais ensuite aller sur l'aiguille de derrière. Aiguille de derrière, mémo technique, maille à l'envers. Donc je prends la maille comme pour la tricoter à l'envers et je vais la laisser tomber de l'aiguille. Et l'aiguille d'après, inversement, je la prends à l'endroit et je la laisse sur mon aiguille. Je reviens sur l'aiguille de l'endroit. Je prends la première maille à l'endroit, je la laisse tomber et je prends la deuxième maille inversement. L'envers. Je vais sur l'aiguille de derrière. Derrière, je prends la première maille à l'envers et je prends la seconde maille inversement à l'endroit et cette fois-ci, je la laisse sur mon aiguille. Maintenant, aiguille de devant, je prends la maille à l'endroit, je laisse tomber et inversement la deuxième maille à l'envers. Voilà! Je vais sur l'aiguille de derrière, aiguille de derrière, maille à l'envers, laisse tomber. La prochaine inversement est à l'endroit. Aiguille de devant, maille à l'endroit, laisse tomber. Inversement, maille à l'envers, je reste. Aiguille de derrière, maille à l'envers, laisse tomber. Inversement, maille à l'endroit, je reste. Hop. voilà je vais resserrer un petit peu voilà aiguille en droit maille endroit laisse tomber maille envers inversement qui reste allez je vais terminer donc vous voyez c'est toujours c'est toujours sur l'aiguille de devant une maille à l'endroit qui tombe une maille à l'envers qui reste et sur l'aiguille de derrière c'est une maille envers qui tombe et une maille endroit qui reste donc c'est Assez. une fois qu'on a, le, une fois qu a le, le, le petit mouvement c'est facile en n'oubliant pas que il y a d'abord deux étapes de mise en place comme je vous ai montré au début donc l'étape de mise en place la première maille est prise comme à l'envers et elle reste sur la première aiguille et sur l'aiguille de derrière elle est prise comme à l'endroit en fait c'est comme si euh, on était rendu à, euh, à la deuxième étape, celle où on avait euh, après avoir laissé tomber les mailles, en fait, d'accord. Hop, ok, j'y arrive. Ce que je vais vous montrer, ce qu'on va faire après. Hop, voilà, mmh. ok. Allez, il m'en reste deux, donc hop là ce que j'aime bien avec les petits personnages voyez je peux vous faire des, des démonstrations avec les produits en live ok donc quand il me reste que deux mailles et eh bien la première à l'endroit je la laisse tomber la deuxième à l'envers et je la laisse tomber là ok donc regardez c'est vraiment une, une chouette couture puisque il y a c'est comme si les c'est comme si les mailles voyez elles elles elle fusionnaient les unes dans les autres. Il n'y a vraiment aucune, aucune couture. C'est très, très chouette. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai une souris sans tête. Un petit peu, vous savez, comme les poulets. Et les, les poulets, quand tu leur coupes la tête. Enfin, bref. Et on arrête de faire joujou alors qu'on travaille. Voilà. Donc, j'ai quand même un long fil. Donc, qu'est-ce que je vais faire Maintenant, je vais passer ce fil pour le rentrer. Je vais le passer, en fait, un petit peu sous sur le côté euh, quelques mailles en dessous et je vais faire traverser le corps de ma souris et je vais aller de l'autre côté voilà hop je traverse la bourre et je vais rendre ma, je vais aller me mettre de l'autre côté allez hop hop voilà et je vais tirer un peu pourquoi je vais tirer un peu parce que ça va creuser en tirant un peu vous voyez ça va creuser naturellement pour que j'aille installer mon petit bras voilà, ça va creuser un peu, ça fait comme des comme des, des petites emmanchures, voilà. Ok. Puis je vais faire la même chose, voyez, je vais. Je suis ici, je vais remonter un peu et je vais repasser, je vais aller de l'autre côté. Pour creuser de ce côté-là. Voilà. Voilà, c'est subtil, mais ça permet. Voilà, ça permet de donner, euh, ça, ça, ça permet de donner euh, une petite forme. Et puis, euh, on va pouvoir mettre les bras là plus tard. Maintenant, je vais simplement rentrer mon fil. Ben là, vous voyez, je ne vais pas m'embêter. Je vais le passer à travers le corps. Voilà. Hop. Ça va passer à travers la bourre. Ni vu ni connu. Hop. Et voilà. C'est tout. Et je coupe et je garde mon fil pour voilà pour la bourrer avec quelque chose. Voilà. Donc je lui redonne un petit peu de forme à ma petite souris. Voilà, ça se sculpte tout ça. Voilà. Donc ça c'est son petit corps. Vous avez vu, j'ai creusé tout simplement euh, le creux de ses bras et on est prêt à passer à sa tête. Ok, donc la tête. Alors voyez, j'ai déjà monté mes mailles. Alors j'avais un petit truc à vous montrer, voilà. Donc quand on commence, on commence avec 4 quatre mailles. Là, j'ai marqué répartir ces mailles sur trois aiguilles et joindre en rond. Je vais vous montrer un petit truc euh, que j'ai pensé après, que j'ai fait en fait après. Et qui est un petit peu plus simple parce que c'est vrai que 4 mailles sur trois aiguilles au début c'est un petit peu c'est un petit peu difficile. Donc vous pouvez monter 4 mailles sur une seule aiguille parce que le premier rang il est tout à l'endroit donc on peut un peu le travailler comme un eye-cord. Donc qu'est-ce que ça veut dire un eye-cord Donc voyez j'ai monté mes quatre mailles. Mon fil est là. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais amener mes mailles. Donc, vous voyez, mon fil est à gauche. Je vais amener mes mailles au bout de mon aiguille. Et je vais venir tricoter la maille qui n'a pas le fil. Donc, qu'est ce qui va se passer? Ben, quelque part, ça va euh, comme quand on est en rond. Hein, ça va se replier sur soi même. Voilà. Et comme on a peu de mailles, ça fonctionne très bien. Ça va, ça va simplement. Euh, comment on va dire? Ça, ça va combler l'espace, donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On pourrait pas faire ça si on avait 6 ou 8 mailles, mais avec 4, on peut le faire. Voilà, donc je tricote mes 4 mailles. Donc, c'est comme quand on fait un icône. Voilà, je vais resserrer un peu. Voilà. Et après ça, on a un rang 2, où on va tricoter chaque maille dans le brin de devant et dans le brin de derrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Donc, hop je vais faire la même chose, donc je vais aller le tricoter pour la dernière fois en high cord. Donc vous voyez mon fil est ici, j'amène mes mailles à l'autre bout de l'aiguille pour pouvoir tricoter la première maille pour que ça se referme en rond. Et comment je fais pour tricoter la maille dans le brin de devant et derrière Donc je commence, je tricote la maille dans le brin de devant, voilà. Je ne laisse pas tomber ma maille et après je vais le chercher dans le brin de derrière. Je recommence, je tricote chaque maille comme ça. Donc une fois dans le brin de devant et après ça, je vais le chercher dans le brin de derrière. Donc ça va dédoubler le nombre de mailles que j'ai, c'est-à-dire au lieu d'avoir 4, les mailles vont devenir 8. OK. Et après, je vais dans le brin de derrière et je tricote une, voilà, allez, et la dernière. Maintenant que j'en ai 8 je peux plus travailler en high cord, je vais simplement répartir ces huit mailles sur mon jeu d'aiguilles. Donc pour les répartir, je vais simplement glisser, voilà, par exemple je vais en glisser 3 Trois, et deux pour la dernière, voilà. Et je suis prête cette fois-ci à tricoter en rond mais avec un petit peu plus de mailles. Donc ça va être plus facile pour commencer. Voilà, d'accord je, je peux commencer. Ça va être bien plus facile que de travailler avec euh, 4, 4 mailles. Je vous conseille, comme je vous avais expliqué, euh, de placer un petit anneau repère qui s'attache comme ça pour marquer le début de votre rang. Parce que sur peu de mailles, on a un peu du mal à voir, euh, à voir le début de rang. Après ça, ben, ça va être un peu comme on a travaillé avec les jambes. On va travailler avec les augmentations intercalaires gauche. Donc on avait vu ça pour les jambes. Donc on fait toute notre, notre petite tête. Arrivé à, une certaine, euh, à un certain endroit, on va commencer à diminuer. Vous voyez donc. On fait nos augmentations, on a commencé ici, on fait nos augmentations, on va avoir tricoté quelques rangs en droit, on va commencer à diminuer. Et euh, quand on arrive à, vous voyez qu'on arrive à une maille endroit, deux ensemble, et qu'on a fini, il va nous rester 12 mailles, on va commencer à bourrer à nouveau pour donner la forme à la tête. Donc on va lui mettre de la bourre, hop, hop, hop. Donc là c'est pareil, soyez généreux. Qu'elle ait pas une tête, euh, qu'elle est une tête bien, euh, bien pleine. Il <laughs> suis pas d'exprimer cette phrase. <laughs> ah, il manque de la boue. Attendez. Il manque pas de fil. Non, il faut juste. <laughs> Hop. C'est bien. Regardez, elle est nourrie de, de toutes, de plein d'histoires. Cette, cette petite souris. Vous voyez même, je peux prendre des, des vieux petits morceaux de tricot qui sont là, puis je peux découper des morceaux pour que ça fasse des petits. Euh, des, des plus petits morceaux pour mettre dans la tête. Voilà. Tous les souvenirs de cours et de démonstrations, pouf, dans la tête de ma petite souris. Voilà. Est-ce qu'elle commence à être bien pleine oh, Je pense qu'on peut encore lui en mettre un petit peu. Voilà. Ok. Qui commence ouais, il faut, faut quand même que ça soit consistant allez on va encore lui on va encore lui bourrer la tête tu te passes à autre je passe encore à l'autre hey. ah, Oui bien sûr ouais ça va être plus simple merci donc voilà donc hop, voilà je pense que elle commence à être assez dodue de, de la tête. Est-ce qu'elle est assez dodue de la tête? Ouais. Allez, encore un petit peu, vaut mieux. Vaut mieux un peu plus que passer. Pas voilà. OK. Mm -hmm. Donc on n'hésite pas à tasser un peu. Comme je vous disais, ce qu'on veut pas, c'est que... On ne veut pas que la... voir la bourre... Euh, que les mailles s'étirent et voir la bourre à travers. Mais là, c'est correct. Ok, super. Donc là, on est bien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tricoter. Donc j'ai fait ça, j'ai bourré, j'ai fait un rang à l'endroit. Maintenant, je vais terminer. Hop là. Je vais terminer. Je vais tricoter toutes les mailles deux par deux. Donc tricoter toutes les mailles deux par deux, ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais les tricoter. Hop. Je vais tricoter toutes les mailles en les tricotant deux mailles ensemble, deux mailles ensemble. Donc je suis ici. Je vais simplement tricoter deux mailles ensemble. Hop. Mon rose fuchsia ressort un petit peu. C'est pas grave. Donc si possible peut-être prendre des laines un petit peu plus neutres que le rose fuchsia que j'ai ce qui ressort beaucoup. Non, ça va. Au pire, je le mettrai du côté. Je positionnerai la tête du côté du cou, du bas, si, euh, si ça ressort vraiment. Ok, donc tricoter les mailles deux par deux, ça veut simplement dire que je tricote les mailles deux ensemble chacune. Tiens, vous voyez, là il m'en reste une sur cette aiguille-là, c'est pas grave, je vais la transvaser sur l'autre aiguille pour pouvoir faire mes diminutions. Voilà. Ah. Et quand on a terminé cela, voilà donc quand on a terminé, on se retrouve avec 6 mailles. On va couper le fil à une dizaine à peu près de centimètres. Oh non, on peut, on peut laisser un peu plus de fil, même. Je vous dirais laisser au moins 30 cm parce qu'on va pouvoir utiliser ce fil là pour coudre la tête au corps. Voilà, donc on va finir comme pour un bonnet. Donc j'ai 6 mailles ici et je vais simplement passer le fil dans ces 6 mailles et resserrer. Donc regardez, je vais passer le fil dans mes mailles. Voilà. OK. Voilà, donc j'ai passé le fil dans les six mailles et là je vais bien resserrer. Ce que j'aime bien faire, c'est j'aime bien repasser une autre fois à l'intérieur. Vous voyez, ça donne comme une petite formation d'étoile. Voilà, j'aime bien repasser une deuxième fois pour être sûr que ça ne va pas se, se défaire. Alors où est le début, où est la fin de la tête Alors regardez, le début de la tête en fait, c'est là où on a commencé. Donc ça va être le museau de la petite souris, ça va être ici, avec ses petits yeux qui vont être là, et ses petites, euh, ses petites oreilles. Attendez, je vais sortir une petite oreille, ça va vous donner une meilleure idée. Donc voilà, ça va être ici. Là où on a terminé, ben, c'est l'arrière euh, de sa tête. Donc comme je vous disais, on peut, garder, on peut garder le fil qui est là pour la fin, pour pouvoir coudre l'arrière de la tête au corps. Hein, on pourra coudre l'arrière de la tête au corps comme ça. Donc on va garder le fil. Ne le faites pas tout de suite parce que va y avoir des euh, va y avoir des broderies à faire sur la tête. Va, va y avoir les, les oreilles à coudre. Donc si vous le faites tout de suite, vous allez avoir un peu le corps qui va vous embêter à ce niveau-là. Donc gardez ce fil là encore long. Par contre, vous pouvez tout à fait hop, vous pouvez tout à fait rentrer euh, le fil du museau. Parce que lui, euh, c'est moins important. Donc, comment on va faire On va simplement rentrer le fil à l'intérieur. Donc, je suis ici. Je vais simplement rentrer le fil à l'intérieur. Voilà, sans tirer de trop. Puis après, je peux me balader un petit peu pour rentrer mon fil. Donc, je passe à travers la tête. Je, je ne serre pas mais mon fil il va être pris à travers la bourre ok voilà ok voilà je me déplace Hop. Voilà. voilà donc je passe un peu mon fil partout comme ça je suis sûre qu'il va pas repartir et puis je le coupe et je garde pour bourrer ma petite souris plus tard voilà Okay. Donc voilà, cette petite tête est terminée et je vais vous montrer aujourd'hui aussi comment on va faire les petites oreilles. Regardez comme c'est cute! Alors les oreilles vous allez voir c'est super simple et ça va donner un très chouette résultat. Donc pour les oreilles, on va avoir monté 12 mailles et on va tricoter 3 rangs au point mousse, donc trois rangs tout à l'endroit. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement rabattre la deuxième maille par-dessus la première. Voilà. Puis la troisième par-dessus la première, donc c'est un peu comme des, des je sais pas comme, comme des lemmings qui sautent de la falaise. Quand les lemmings ont décidé qu'ils sont trop puis qui hop, puis sautent de la falaise. Voilà, donc c'est toutes les mailles vont jouer à saute mouton, à saute lemmings par-dessus la première maille. Hop. Elles vont juste Donc euh, c'est pas comme un c'est pas un rabat traditionnel du tout. On va simplement, vous voyez, passer les mailles les unes après les autres par-dessus la toute première maille. Voilà. OK. Voilà. Il me reste après ça, je peux resserrer un peu. Il me reste après ça une maille. Je vais prendre mon fil. Et je vais passer mon fil dans la première maille. Voilà. Ça c'est ma deuxième oreille. Hop. Voilà, je resserre. Donc ça vous donne, vous avez vu, ça vous donne cette petite forme adorable de, de, de petit éventail, je dirais. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on peut rentrer ce fil-là si vous avez laissé assez de fil quand vous avez monté euh, vos mailles sinon euh, gardez ce fil là pour la couture et rentrez celui là ça n'a pas d'importance d'accord moi je vais rentrer celui là parce que j'ai beaucoup beaucoup de fil voilà quand je rentre le fil je peux voyez travailler un peu sur les bords pour comme arrondir hein, mon oreille vous voyez je vais juste prendre les mailles sur les bords j'arrondis un peu voilà Hop. Je rentre mon fil et puis allez une dernière fois. Et je vais le rentrer. Il y a plus de petites de petites finitions sur un petit projet comme ça que de tricot en tant que tel. Voilà, maintenant On va pouvoir placer notre oreille sur le dessus de la tête. Donc, ça, c'est un peu vous qui décidez où est-ce que vous allez la placer. Si vous n'êtes pas sûr, alors, allez, voilà. Si vous n'êtes pas sûr, voilà, faites-vous des petites. De toute façon, vous pouvez. Euh, ça peut changer si vous ne si vous rentrez pas tous vos fils. Donc, là, par exemple, ouais. Je dirais quand j'arrive à peu près à la moitié de la tête, ça fonctionne très, très bien. Est-ce qu'il y a un meilleur côté ouais. Je vais prendre ce petit côté-là. Vous voyez, il y a deux côtés. Euh, il y a deux côtés de l'oreille. Comme ça et comme ça. Mais vous, vous prenez celui que vous préférez. Ok. Donc, je vais lui coudre ces deux petites oreilles. Ok, voilà. Et comme je vous disais, hein, ne cousez pas la tête. Hein, tant que... Ne cousez pas la tête au corps tant que vous n'avez pas, euh, pas fini tous les détails de la tête. Ok, donc, c'est moi, je cherche sa, son, son meilleur profil à ma souris. Ah, je trouve que là, c'est bien. Ok, on y va. Je vais faire ça là. Donc, bon, je ne fais pas une couture qui est très technique, hein. grosso modo. J'attrape les mailles. Oups, là -y. Okay. Il, y a, il y a un côté où, quelque part, même quand je brode, il y a quelque chose qui va apparaître. Il n'y a jamais deux souris pareilles. Il va à chaque fois se passer quelque chose qui va faire que la souris va être un petit peu différente. OK. Donc, voilà. Quand j'ai fini, ben, je vais rentrer mon fil dans la tête. Là, ok, donc je vais cousu sa petite oreille. Je vais rentrer le fil hop, sur l'arrière. Ni vu ni connu. Voilà. Et on va coudre la deuxième oreille. Où est-ce qu'elle est ma deuxième oreille La voilà. Ça va commencer à lui donner du caractère. La semaine prochaine, on va voir comment on va faire les... Comment on va faire les... <laughs> C'est fou à quel point dès qu'on met des oreilles, ça ressemble à une souris. Euh, à quel point on va faire... On va faire les petites broderies pour lui donner une expression au visage. Puis on va faire les bras. Voilà. OK. OK. Hop. OK. Je veux juste pas qu'elle ressemble trop à Mickey Mouse. OK. Voilà, OK. Bon, Mais ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est bon. OK. Je rentre mon fil et je vais avoir terminé. Okay. Et voilà le début, la petite tête de souris. Regardez ça. Voilà, il lui manque plus que ses deux petits yeux et son petit nez. Ok, qu'on va pouvoir mettre après sur son petit corps. Voilà. Alors. Il oh, n'y a pas de questions, je m'amuse avec les gens. J'ai fait un petit concours. T'as fait un concours pendant... Voilà. <laughs> pendant que moi je faisais des trucs très très sérieux, Ben fait des concours. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que c'est quoi ton concours, Ben, maintenant Je te fais trois annonces aujourd'hui. A, euh, on va faire du Young Bombing sur le stade olympique. <laughs> B, tu vas être en direct du 25 au 3. <laughs> c, 26, 26. 26. Ouvrir... Ah boy. C, tu vas ouvrir une nouvelle boutique à San Francisco. Et D, euh, tu vas lancer une laine maison électrique. Alors, euh, c'est ça. Ok. Donc ils ont gagné. Ils ont gagné, d'accord. Ouais. Ah là 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 là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Alors la semaine la semaine prochaine, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la semaine prochaine, ben, on va lui donner une expression quand même à notre petite souris. Hein? On va lui on va lui broder la face. Donc, on, je vais vous montrer comment on va, on va faire les petits yeux. Donc, si vous avez du fil à broder, ça, c'est super. C'est vraiment chouette. Donc, fil à broder. Euh, ben, on va avoir besoin du noir pour ses yeux. On va avoir besoin d'un peu de rose pour le petit bout de son nez. Et puis encore un peu de noir pour, euh, pour l'expression. Euh, voilà pour les petites. Euh, voyez, pour le hop. Pour, pour son petit sourire, donc euh, je, je, un peu de noir. On va travailler sur ses bras aussi, donc on va lui faire, euh, voilà, on va lui faire les petits bras, on va coudre les bras. Euh, on verra si on a le temps pour, pour peut-être se parler de la robe, d'accord Mais euh, mais ça va être ça. Déjà on va on va faire ça, d'accord Ok. Alors il n'y a pas de questions. Est-ce est que c'était clair pour tout le monde ce que j'ai montré Est-ce que c'était clair? Merci Mathilde! C'est qui là? Le... -ce que... mmh. Dis-moi. rien dit. C'est rare qu'on tricote des personnages, non? C'est la première fois qu'on tricote des personnages. Et j'adore ce qu'en fait, je pourrais juste utiliser juste la tête ah. et elle a déjà l'air d'une petite souris. Ah, c'est vrai? Eh, elle a déjà l'air d'une petite souris la tête. Donc s'il y en a qui sont découragés, vous pouvez juste prendre la tête et faire ça, et elle est terminée. <laughs> Je peux laisser traîner un coin la cuisine. Voilà. Donc, oh, tout à fait. Ou ça peut faire des beaux cadeaux pour les chats. On remplit ça avec de l'herbe à chat, puis. Euh... Oh. Mais ça va, Elle a déjà l'air d'une petite souris, ma souris la tête. Bon, ben super, ça me fait vraiment plaisir, c'est parfait. Bon, ben je veux voir les photos euh, la semaine prochaine euh, de vos souris décapitées avec les têtes à côté, là. <laughs> c'est comment, comment, comment... l'esprit des fêtes, Ben, qu'est-ce que tu veux? Bah, oh. C'est un mélange d'Halloween, Christmas, Halloween, Christmas. L'étrange Noël de Céline. <laughs> L'étrange, voilà, je suis le Grinch. <laughs> Allez, ben écoutez. Euh... Est-ce qu'elle a une queue Margot C'est une bonne question. mais ben oui, elle a une queue, Margot, je pense. Est-ce que j'ai fait une queue C'est une bonne question. Euh, je pense que je vais... Je ne sais pas si j'ai fait une queue. Non, je n'ai pas fait de queue. Euh, je vous montrerai pour ceux qui, qui tiennent euh, à ce qu'elle ait une petite queue. Je vous montrerai comment faire une cordelière et comment la passer dedans. Parce que c'est vrai que ça serait plus joli avec une petite queue. Donc euh, on, on va la faire, il n'y a pas de problème. On a encore au deux autres cours, pour euh, ben, Déjà, on a déjà un cours sur, pour terminer, euh, broderie de la tête plus les bras. Ensuite, on va faire, donc on fait la petite robe, parce que franchement, ce serait trop, trop cute si on pouvait faire la petite robe. Donc, la petite robe, ça va nous prendre un, un cours de plus. Donc, on va dire deux cours de plus, Ben. Ça va ouais. nous amener au moins jusqu'à jusqu la semaine, l'année prochaine. Merci. Ok Super. Ben oui, elle est déjà toute mignonne. Oh, J'ai hâte de voir vos souris. Alors, ce qui serait super drôle, vous savez, c'est qu'on fasse un truc à la Amélie Poulain, vous savez. Ben oui, mmh. où chacun euh, prend euh, sa souris et la met euh, et, et, et prenne une photo de sa souris terminée euh, en train de se balader dans la neige, en train de... Whatever. Donc euh, voilà, si vous pouvez prendre votre petite Margot quand elle sera terminée et euh, en, la prendre en photo. Euh, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de souris, oh, en train de la prendre en photo, en train de regarder sous les oreillers, ça serait très très drôle. Mais bref, si vous pouvez la prendre en photo quand elle sera terminée, dans un dans un contexte un peu sympa, ça serait chouette comme tout. Voilà. Merci d'avoir été avec moi. Je vois que j'ai une espèce de poussière dans un de mes cheveux. Voilà. C'est de, de, de la poussière de fée. Euh, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. J'espère vous voir ben, peut-être pour le 26, qu'on se jase. J'ai plein d'histoires en tête. J'espère que je vais en entendre les vôtres aussi, puis être avec vous pendant cette semaine-là. Ça va être super chouette. Et puis en attendant, eh bien, il va me rester à vous souhaiter de magnifiques fêtes de créer toute la magie qui va avec, qui est de l'intérieur et pas forcément de l'extérieur, surtout en ce moment. <laughs> et puis, euh, merci d'avoir été avec nous, en tout cas, euh, pendant cette année super rocambolesque 2020. Merci d'avoir été avec nous. On va se faire un 2021 aux petits oignons, vous allez voir. Et puis, euh, bah vraiment, passez des belles fêtes. Mouah bye bye.